Pasteur Amel Lafleur, individu ça, qui c'est pasteur titulaire dans l'église de Dieu indépendante de la Porte Étroite, qui chita Paul dans Delma 33, lui c'est objet de plusieurs scandales en dedans pays déjà. Scandale qui gen pour avec question viol, scandale qui gen pour avec détournement mineur. Et bien en 2023, li commencé tout malement pour pasteur Amel Lafleur après une vidéo qui virale sur tout réseau côté pasteur Amel Lafleur, li a utilisé petite fille comme objet sexuel. Et bien suite avec incident ça, commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, il décide lui-même de commencer à nier en l'autre genre. Et nous, il là. Commissaire a décidé de mettre le pantalon dans la taille, bien serré, pour convoquer Armel Lafleur, pour venir répondre à quelques questions dans sa qui vient pour avec chef d'accusation que le retenu contre pasteur Armel Lafleur, qui est basé sur l'article 283 code pénal, qui dit, m'rali pour nous, toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur en commettant tout acte, attouchement ou autre acte semblable susceptible de blesser la pudeur d'une personne de l'un ou de l'autre sexe sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an. Sous base article 283 code pénal, eh bien, commissaire Jacques Lafontaine l'a invité à Amel Lafleur pour venir faire un petit parler. Puisque nous t'avons une vidéo déjà, côté Armel Lafleur, il fait petite fil de ti, Lafleur monte sous lit, côté la tape de elle, la pointe de elle, la main tite, la fait attouchement. Et bien, article là, clair. Dès pour qu'on est, on fait zak qui gen pour avec à tête à la pudeur. Tout ça qui a touché moralité, hein, tout ça qui a touché bonne mœurs en de la société, hein, tout ça en moun ka déterminé comme dégrade qui contraire à société, hein, qui contraire avec principe moral qui guide la société, hein, et bien, commissaire gouvernement, ligue droit pour convoquer qui conclie, hein, ligue droit pour inviter qui conclie à pour poser aux questions. Et surtout, dans le dossier Armel Lafleur, hier, on est venu sur sa émission, on a bien pour nous faire tourner sur lui, parce que hier, après l'émission, après cette séquence, nous faisons sur Armel Lafleur, c'est pas deux, trois mouns qui relaient pour manquer me dégâts, comme quoi, que m'a pas de raison pour me parler de pasteur Amel Lafleur, m'a parlé de un bagage m'a pas connaît, etc. C'est comme si c'est moun qui besoin attaquer pasteur Amel Lafleur. Mais, réalité, c'est qui ça lié. On dirait que, en pile moun qui a marché derrière soi-disant berger ça, en pile moun qui précisément dans l'église pasteur Amel Lafleur a dirigé, moun ça yo yo zombifié, c'est zombi yo. Haïtien de manière générale nous tant crabe, en pile nous tant crabe, yo met a démarrer nous, yo met a fait toute bagaille, toute action possible pour retirer nous dans situation nous-mêmes. C'est coup de pince n'a baillé. Nous-mêmes, c'est chercher comment pour nous morder moun nan, comment pour nous blesser moun nan, comment pour nous attaquer moun nan. Joune jodi an la, nan vive dans une société côté que moralité a nous prend tout ça gen pour avec moralité, nous mettez le long coin. Nous voyons le long coin. Que le politicien yo, que le nèg dans secteur privé qui a fait corruption, que le l'église joune jodi an. Question moralité, nous pas de se coller avec lui. Nous pas accepter principe moral, yo. Sous base, tout le monde grand monde, tout le monde a pris les affaires par yo. Pas un monde qui a vu une foure bouche dans les affaires quiconque. Eh bien, je ne dis en là, année à me trouver bien commencé par mon côté gouvernement et commissaire du gouvernement Jacques Lafontaine. Rien de personnel. Moi, je dis ça, je pas rien de personnel avec quiconque. Que le politicien, que le nègre dans le secteur privé, que le nègre qui est en dedans dans l'église, qui s'est belge, qui a malmené troupeau. Je n'ai pas aucun problème personnel. Mais là, nous faisons bagaille qui touche la société. Là, nous faisons bagaille qui touche la vie en société, qui est pour avec l'ordre public. C'est tout normal pour me parler de lui. Je suis citoyen. Je suis en ligne que moi-même. M'vise, mon objectif que m'vise. Donc, li tout normal, depuis so fè a li kontre à le public, depuis so fè a li pa rentre nan vertu moral yo, c'est tout normal, m'ap dénoncé que ou kontre que ou fâché, et d'ailleurs, ou kabou ke fâché, l'offre tintin, l'homme dénoncé m'kon non pas content. L'offre éventou, m'dénoncé m'kon non pas content. C'est pour fâché même, c'est pour fâché pour prendre mè ou, jounen jodian là. Joune jodi an, premier sa commissaire gouvernement Jacques Lafontaine pour le faire, pour l'enquêter, pour le est-ce que petite fille Amel Lafleur là, est-ce qu'elles sont mineures ou pas? Est-ce qu'elles sont mineures ou pas? Parce que c'est extrêmement important, oui.
Il y a une série de gens qui a fait détournement, qui a fait abus sexuel sous mineur. Société en fait, mais j'ai sous oui. Sous prétexte, yon kap bay manje, ses parents, yon yon, ses familles, yon oui. Et d'ailleurs, de pour gen autorité sous moun nan, la loi claire sous ça. De pour gen autorité, ses parents moun nan, gen autorité sous li, ou ses tuteurs li, ou ses moun ki gen, ki gen pouvoir sous moun nan. Yon puni yon pi sévèrement, oui, ki yon l'autre individu nan la rien, ki kwaze avèl, ki abuse l. N'importe l'autre moun te ka fè petite Amel la fleur en sa, li patap gen même, la loi patap gen même rigueur contre li même, non? Avec mon papa ou gen autorité sous petit, tout c'est qu'on soit choisi. C'est qu'on soit choisi pour exposer dignité, c'est qu'on soit choisi pour agir avec elle, et puis qu'on dénonce ça, ou une série de monde qui a vu une voie monter, qui fâche, etc. Même pas toucher la foi chrétienne. Pas toucher la foi chrétienne. Ça a pour avec moralité, li gen pour avec vertu. C'est normal pour nous parler d'eux. Parce que si nous besoin l'autre société, il faut que la société en li basé sous justice, il faut que la société en li basé sous moralité, il faut que li basé sous bon vertu. Yo. Ok? Parce que ça nous relance son société qui dépravée, qui pas mener nous nulle part que dans l'ignorance encore. Ignorance qui a enterré nous, ignorance encore qui prend la cause, nous craser pays, nous pas jamais qu'à poser bon action qui pour retirer pays en côté li là. Rien de personnel on le fait m'a dit nous en rien pas rien de personnel avec quiconque en dedans pays. Il suffit qu'on fait action bien ou fait soigner pour faire bien ou pas tendre me parler de ou pas tendre me dénoncer ou fait bon bagaille bravo ou fait mauvais bagaille dans tout dénonciation tête calée non et pas tête calée dénonciation on va avancer et non ça qui gain pour ouais avec problème social problème économique na vivre en dedans pays. Nous connaissons que en Haïti, nous toujours avons tendance à mettre de côté haïtien ça qui a vu dans la diaspora. Pour voir l'État, autorité en dedans pays, toujours une tendance à mettre de côté moun qui dans la diaspora. Ils ont besoin de pour investir l'argent en Haïti, le pour voyer l'argent en Haïti, ils ont besoin de pour prendre $50. Mais ils ont toujours exclu la vie politique en dedans pays. Ils ont parlé pour yon vin faire, pour yon vin créer travail en dedans pays. Parce que nous avons un secteur économique qui prend tout le monopole marché en dedans la République. Il y a fait concurrence déloyale. Yon paré pour yon touiller, yon paré pour yon assassiner, kidnapper, etc. C'est yon même qui doit yon contrôle marché économique là en dedans la République. Face avec situation ça, en plus, moun a posé cette question. Qui ça nous doit faire pour nous retirer Haïti côté lié là? Comment nous devons impliquer nous dans le problème ça qui est là pour nous jouer une solution, pour nous porter une solution avec le problème pays? Qui ça qui doit faire? Est-ce que c'est tout haïtien qui doit impliquer? Est-ce que son parti haïtien qui doit impliquer? Eh bien, je ne dis là, il y a un historien Michel Soukor qui font un gros témoignage. Et m'apprend en pile de ça. Haïti, nous pas besoin tout haïtien qui pour dire pour la bataille pour Haïti pour changer Haïti. Nous seulement besoin haïtiens qui reconnaissent qu'ils sont haïtiens. C'est pas parce qu'on gagne plusieurs citoyennetés, c'est parce qu'on gagne passeport canadien, américain, français, mexicain, colombien, vénézuélien, dominicain qui font pas haïtien. Le fait que ou gagne sentiment patriotique là, le fait que senti ou c'est haïtien ou a nécessité pour défendre intérêt pays ou a nécessité pour dénoncer criminel ça qui kembe pays en otage ou a nécessité pour bataille pour gon l'autre société qui kamène dans l'autre pays ou sont haïtien ou même qui dans diaspora m'abdouli honnêtement parce que t'es aucun nèg là, aucun nèg qui fait politique, aucun nèg qui en campagne politique vient profiter de situation pour yon rallié avec Kozio et puis après pral jeto puis devant. Nous fait expérience avec Mateli. Mateli monte dans la diaspora. Li fait tout tout kote l konne gen haïtien qui influent. Al bay parole. Al bay bel discours. Et puis après, koul président kote diaspora yo. Yo kite nous de yo. Yo kite nous de yo. Pare aucune réforme constitutionnelle qui fait pour yon implique nous. Pare aucune réforme légale qui fait pour yon implique nous dans la vie politique économique de dans pays. Yo kite nous de yo. Yo konne nous existe. Kou pral gen question élection. Kou pral gen campagne ka fait, etc. Eh bien, jounen jodi, li important pour konne ça. Mais qui sa diaspora ka fait? Mais qui sa ka fait jounen jodi là pour 2023 pour retirer pays à côté li là? Ou ka implique ou ki pou ken nèg ki a profité de ou la gen élection et puis kou élection fini oubli ou non?
2023, c'est année renouveau pour diaspora impliquer. Pour nous impliquer nous dans le changement pays. Message ça, je voulais partager avec nous. Chita, bon, toute attention, by Michel Soukan, toute attention, parce que c'est vérité, c'est témoignage, c'est exhortation et c'est une formule qui baille, je ne dis pas, qui est extrêmement important pour chaque Grenadien. Que vous êtes en dedans pays, que vous êtes dans la diaspora, formule ça, si nous appliquons 2023, que tes communautés internationales, que tes oligarques corrompus, que tes politiciens corrompus, criminels, yo youn pap ka mette pied sous nous. On nous garde ensemble, Michel Soukan. Pour accueillir Michel, merci pour disponibilité encore une fois. Eh ben merci Wendell de l'invitation et n'a dit tout le monde que 2023 c'est nous mêmes qui a fait. C'est pas numéro qui a fait tête li. Donc 2023 sera ce que nous en ferons. Et l'autre jour moi j'étais on côté en province, on t'a rencontré en pile j'aime, t'a fait conférence pour yo. Yo dit que habitué tendé, on a fait interview ensemble. Et comme c'était en fin d'année, yo dit mais ça t'a aimé comprendre. Comment Haïti pays ça que yo dit yo qui était en tête dans les années 40, 50 dans la Caraïbe, comment le fait arriver côté hier. Ça passe. Qui ça mal fait, qui ça que alors, moi le dit nous qui ça me répondre yo. Pour nous commencer émission ça parce que 2022 a pas sorti du ciel ni de l'enfer. 2022 a c'est donc accouché. Nous accouché d'abord par mauvaise gouvernance. Faut nous bien comprendre, ça veut dire gouverner. Gouverner vini de gouvernant et bateau. C'est là moi sorti. Ça veut dire qui moun ko confier conduite bateau. Est-ce que moun sa yo gen capacité pour conduire bateau? Est-ce que vous avez des compétences pour diriger? Et deuxièmement, tout, est-ce que vous avez des comportements yon chef? Parce que Jean-Baptiste a dit à tout, le poisson pourri par la tête. C'est à partir de depuis tête poisson en pas bon, tout reste poisson a pourri. Donc, bonne gouvernance, chita sous deux bagailles. Capacité, compétence, ça aurait les aptitudes là, parce que politique sont sciences liées. C'est pour tripotage, j'en vous fais là. C'est pour moi et pour nous, même à l'aise, je nous fais là. Et deuxièmement, l'échita sous attitude. Ça veut dire, est-ce que nous respectons tête nous en tant que dirigeants, par comportement qui ça nous dit et ça nous fait, est-ce que nous avons le bon exemple? Est-ce que nous représentons des modèles pour les gens qui ont grandi, les gens qui vivent dans la société? C'est ça, une bonne gouvernance. Et nous pouvons voir dans le tiral de tout petit que nous pouvons faire. Pour essayer de comprendre comment Haïti fait côté lui, il veut. Dans qui point mauvaise gouvernance là, les menait pays. Crise haïtienne contemporaine, elle commence vraiment en 1954. Pour qui ça 1954? Parce que sous-estimé, sous ma gloire, tout bagaille ça, que monsieur ça a été tenté, fait, essayé, fait, ça a été réussi, fait, et qui fait considérer la période ça dans l'histoire pays comme l'âge d'or, il était chita sur le fait que café nous te vend bien. Vite nous te vendons bien, sucre nous te vendons bien et te grand pile tourisme. Donc, il y a une recette et il y a un moyen de mettre une infrastructure. Ça n'a pas arrivé à partir de 1954, café, sucre, prix pour le chuter sur le marché mondial. Troisième, pit là de plus en plus, il va le remplacer par les fibres synthétiques. Et puis tout, on va le gagner en 1954, le passage du cyclone Hazel qui va ravager tout le pays du nord au sud de l'est à l'ouest. Toute plantation de production vive alimentaire nous va le perdre. Ce qui fait qu'en 1954, pays a pour un baf que jusqu'à présent, les pages relevé. Mais excusez-moi, ah, oui. Michel, là nous sommes en 1954. Alors que il y a un peu de monde qui dit que tu as un peu l'obéi qui était fait dans le pays au début du siècle dernier, par exemple. Non, on n'a pas besoin de remonter jusque-là. Parce que nous sommes plus ou moins remontés en pente. Nous pas, si nous entrons dans le domaine ça, nous avons fait journée là. Mais jusqu'à 1954, je nous dis... Ça n'a pas de plus mal, obligé. Non, ça n'a pas de plus mal. Tu as une production café, production sucre, production pide, en stabilité, en pile tourisme. C'est le ça que nous avons fait en pile gros hôtel que nous avons en pays. Donc le pays ne se portait pas plus mal. Mais à partir de 1954, nous pas tout choc que nous prenons là. C'est la première fois que Haïti... Il y a un pays qui était connu dès l'autre pays qui a un problème, le cyclone, dans les Caraïbes.
C'est pour une fois que Haïti pral obligé à accepter cargaison d'aide alimentaire. Maintenant, pour nous remonter pente là, le ministre des Finances de l'époque, Clément Jumel, te fait ça, t'es capable. Mais, problème économique, ça va pral créer des troubles sociaux, des troubles politiques. Mais ce que le président Magloire te voulait arrêter, le pas arrêter, ça vient ouvrir crise électorale année 56-57. Là. En 56-57, on a eu deux candidats qui ont même été abordés problèmes sous l'angle économique, qui ont eu des compétences, je dirais, pour plus ou moins gouverner économiquement. C'était Clément Jumel avec lui des joies. Clément Jumel, parce qu'il a eu une expérience de l'État, il était contre ça pour le faire. Et puis, tu as gagné Louis Desjoies, qui était surtout un entrepreneur agro-industriel, et qui était que le pays n'a pas qu'à chita seulement sous café, sous sucre et sous pit, il faut nous faire l'autre bagaille. C'est ainsi que Desjoies, comme entrepreneur privé, mettait Haïti sur la carte mondiale comme premier producteur de vétiver jusqu'à présent. Maintenant, donc, il s'est arrivé que M. Sao, de par leurs compétences et de par leur attitude, si M. Sorte arrive à redresser la production nationale, la production locale, j'ai été où elle là, ça n'est qu'à fait que l'Amérique ait perdu le contrôle de votre pays. Donc ce qui fait que, bon, Jumel lui-même a causé problème politique et éliminé, des joueurs mettaient le sous-côté, et puis l'armée a reçu l'ordre des Américains d'installer Duvalier, qui lui-même n'avait aucune formation en termes d'économie. C'est un ethnologue là, qui a parlé de faire des problèmes noirs, milates, etc. Mais problème fondamental, pays, économie, il n'y a pas connaître. Ce qui fait donc, l'homme se montait au pouvoir de 57 jusqu'à 71, pendant 14 ans, les vrais problèmes de la restructuration, de la production, de l'économie, pas jamais posé, il n'y a pas jamais résoudre. À l'époque telle que l'homme se prend mourir, la situation est tellement grave dans le pays profond que les Nations Unies prennent l'écrit dans les campagnes haïtiennes, il y a 20 garçons pour 20 gouttes et 10 filles pour 15 gouttes. L'homme se prend mourir, Américain mettait Jean-Claude. Dans la décennie 70, que certains m'ont présenté comme une décennie de reprise, mais c'est une reprise qui est devenue surtout à partir de l'argent qui est injecté de l'extérieur. Ça va parler de l'aide internationale. Là. Ce qui fait que le régime Jean-Claude a pendant 15 ans le gouvernement à avoir reçu jusqu'à date le plus d'aide internationale possible. Et on parle d'un cadre technique qui parle vraiment des infrastructures, tant que l'éco, tant que route au Cap, route au Caille, on parle d'un achèvement Pélig, etc. Mais, comme moi, ce n'est pas on refait, structure production pays, ce sont l'argent qui vient de York injecté, qui investit dans l'infrastructure, qui investit dans le projet à travers le pays. Et qui bat en pile monde classe moyenne, travail, c'est vrai. Qui fait l'hôtel, restauration, à développer. Mais pendant les années 70, vous parlez sur le plan international des chocs économiques qui peuvent affecter le pays sérieusement. C'est qui ça? Vous parlez d'abord des deux chocs pétroliers, en 73 et en 79, qui peuvent faire le prix gaz là, à monter. Et deuxièmement, vous parlez de tout, on effondrement des prix du café sur le marché mondial. Ce qui fait que, étant donné que nous pas relancer production, nous ne pouvons pas relancer, et que nous n'avons ni pétrole, pétrole la vine piche en deux fois, 5 gouttes pour un dollar, pas quelqu'un encore. C'est à partir de période ça, année 80-81, où vous pouvez commencer à gagner 5 gouttes 10, 5 gouttes 15 centimes pour un dollar américain. Et me songez, en août 81, je que tu veux pas le fond, discours côté, il a annoncé qu'il a accepté de soumettre à injonction Fonds monétaire et Banque mondiale. Le ça a donc pays à pompote, côté de plus en plus, de pral entrer dans l'application politique néolibérale. Et le Duvalier pral tomber, période décadence la fini, ou pral entrer dans la période de la faillite. Pourquoi? Parce que le Duvalier pral tomber, ou pral entrer net dans ouvert pays à ben, les marchandises américaines, surtout du riz, poids, maïs, etc. Si production d'RTA locale là, pas qu'à Kimbe, devant invasion en masse, à l'époque, mon pas comprendre, mon abdia, et combien de boîtes peut-être à 25 gouttes, il y aurait le bien. Là, nous sommes au gouvernement en transition. Là, nous sommes au gouvernement militaire. Mais le problème qui est arrivé, c'est que mon Dieu ne connaît pas que c'est comme ça qu'il agit. Donc, je ne peux pas mettre au double, c'est barrière.
ou fait marchandise ba yo, yo vide marchandise ou, yo ba ou la ba prix pour craser pour là et leur fin craser pour là pour remonter prix pa yo. Mais il pas gon conséquence, conséquence là. C'est que premièrement, ou pas gain on disparition peu à peu production locale. Deuxièmement, ou pas gain un chômage en milieu rural, ou pas gain exode rural donc déplacement vers les villes qui pas vinn gonfler toute ville capaïtien Port-au-Prince dans des vastes bidonvilles. Ou pas le on décote de la goutte accéléré, il pas le à la longue, tout pile problème qu'on pral gen là. Ce qui veut dire que maintenant, dans la période 94-95, à l'offre, dit nous, en 1986, lorsque ces politiques économiques que le gouvernement militaire a été pris, non série de missions que je fais avec la Haïti, comme la démocratie sur la métropole, je vais expliquer mon yo. Mais dans qui ça nous peut arriver si bagay ça passé exode rural, effondrement de la goudre, augmentation du chômage, émigration, c'est-à-dire départ vers l'étranger, pays après les fonder de plus en plus. Maintenant, à partir du coup d'état militaire, les Américains parlent maintenant, ils se tournent, nous prenons deux routes qui prennent offrir d'ouvert devant nous. Ça doit dépendre de quelle qualité de gouvernance. C'est pour ça au départ, je me suis posé problème de gouvernance là. Que nous parlons gagner fois ça. Est-ce que ce n'est pas la gouvernance qui peut privilégier la production locale? Est-ce que ce n'est pas la gouvernance qui peut privilégier les intérêts étrangers? Qui de route ça? À l'époque, dans une série d'émissions qui était faite sur Signal FM, sur les relations Haïti et Dominicaine, sur le Nouvel Ordre International, je t'explique mon nom bagaille. Je dis, pas, nous pas besoin de tête nous mentir, mais l'a débarqué là et l'a mené ici tout. C'est clair. Bon, monsieur militaire pas content, mais ils l'ont vu. Maintenant, le gouvernement Palvini, il a un choix en deux choses. Ou bien du fond politique côté li bail au minimum dans côté li favorise au minimum d'encadrement pour un réel secteur privé, un secteur privé dynamique, un secteur privé qui a produit qui pas importer seulement. Deuxièmement, qu'a pour faire infrastructure pays et qu'a pour faire système éducation pays. Ça c'est premier gouvernance là pour gagner et c'est ça qui tape la bonne. Mais tu sont pas faire blanc même pas un problème parce que toujours un plan A toujours un plan B. Plan B a, c'est quoi venir un dépotoir de déchets toxiques. Ou venir un passage pour la cocaïne et ou venir troisièmement en province commerciale dominicaine. Et dans l'émission de faire, pour expliquer que la bourgeoisie dominicaine a un plan pâle avec le conseiller de secteur international tout pour développer de plus en plus la production épique dominicaine et pour Haïti une deuxième marché. Et avec ça, sur le dos de la main-d'œuvre haïtienne. Malheureusement, deuxième plan, c'est ce qui paraît plus facile pour gouverner haïtien à l'époque, c'est ce qui nous prend. Et c'est ce qui parle bas tout, instabilité, chômage. Pirette, des côtes de la goutte, pirette, c'est les palba où toute floraison de corruption ça a, et de violence ça a, qu'on a là, avec implantation de gang, développement de gang, parce que des pour dire drogue ou dit économie criminelle, des pour dire drogue ou dit trafic d'armes, ou dit machine volée, ou dit proxénétisme, parce que tout marche ensemble, ou dit l'argent sale, ou dit mauvais blanchiment, ou dit toute qualité causée ça. En un mot, à cause de mauvaise gouvernance, à cause de mauvais choix, ou vient faire de pays où on véritable désordre. Mais, tant qu'on me dit, international n'est pas pays pâle. Ou toujours il y a deux possibilités devant. Ou choisir. Maintenant, si on choisit ça, mes conséquences. Donc, c'est ça que fait, je dis, l'arrivée à la veille de 2023. Après tout exemple de mauvaise gouvernance et de mauvais choix, nous sommes capables de dire des gens qui, à chaque fois qu'ils ont négocié avec l'international, là, que c'est Duvalier en 57, que c'est Duvalier en 71, que c'est Militaire en 86, que c'est Lavalas en 94, ils négocient peut-être pas, ils n'ont pas négocié pour le pays. Ils ont le pouvoir, ils ont fait comme pas, et puis reste pays à. C'est fini, le fouté au début. Alors, comme je comprends à partir de ce que dit là, c'est comme si nous avons pensé mal, ou bien nous avons tort, nous pensons que
ça n'a vive jodi là ou bien ça nous saute vive au cours de l'année dernière, c'est un barrière comme si m'dadio que qui fabriquait au cours des 10 15 20 30 dernières années. Non, c'est un mal qui fleurit comme Redo qui depuis 54. Depuis 54 que crise l'a éclaté et que il y a eu mauvaise gouvernance, il n'y a pas eu de réponse adéquate parce que à chaque fois que politicien haïtien ça a eu aspiré bah même dit au pouvoir, à la présidence, à des postes. Les a négocié international, ils ont négocié pour tête. Donc côté élite même, côté élite. Mais c'est comportement, c'est comportement tout. C'est comportement. Même pendant la période coup d'État de 91 à 94, on va parler d'élite, on va parler des coups d'élite économique, mais des affaires. J'ai vu des industriels haïtiens qui ont gagné une usine qui a fait sous-traitance dans son API. Qui fait même pour faire usine dans tout le dépôt de marchandises dominicaines? Hein? Il a fait l'autre choix. Mais tout choix a des conséquences. Et conséquences là, toutes conséquences ont mené côté lié. Est-ce que ça t'a dit, Michel Soukar, monde ça a aussi un étau, ou bien un engrenage, je prends, ou du moins, il n'y a pas de gain le choix? Est-ce non, que c'est on ça? A toujours le choix. On a toujours le choix. Mais seul bagaille, je répète, ça aurait les gens qui ont mal gouverné ce pays, tant sur le plan économique que politique que financier, ils ont toujours fait choix intérêt paio, intérêt groupio, mais intérêt national, intérêt pays, pas la donne. Michel Soukar, on n'a pas parlé de qui ça aujourd'hui, on n'a pas parlé de situation du pays d'Haïti, perte d'emploi, la vie chère, l'insécurité, l'expérience du kidnapping. C'est ça où nous sommes vivre là, qui était constitué disparition, assassinat, spectaculaire, toute catégorie monde. Monde secteur privé, monde politique, professeur, avocat, journaliste, membre de société civile et autres. Personne n'a pas épargné. C'est ça que nous sommes vivre là en 2022. Quoi vivre depuis des années? Mais est-ce que le pas amplifié en 2022? Bien sûr, puisque si on comprend nous qu'a guéri un cancer avec aspirine, quand ça fait métastase sous pyrède. Bon, c'est ça que nous pensons nous qu'a fait depuis longtemps. Parce que nous sommes dames à tête nous et nous sommes dames à pays. Parce que la plupart du temps, les dites élites haïtiennes comprennent qu'ils sont capables de bluffer tout le temps. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'un jour matin, le problème, c'est n'importe là qu'à vous le frapper. Et où rend nous compte que vous n'avez pas qu'à vivre dans le pays encore. Et qu'on est obligé de jeter, même sous tes. Considérer Haïti depuis longtemps tant qu'un comptoir, à la manière du colon de Saint-Domingue, quand on vient faire comme, côté on va faire comme, eh bien, ils vont le même comptoir, pas qu'à ouvrir. Parce que le problème fondamental, ça n'a pas jamais intéressé à l'essai. C'est pas qu'on pas tant de monde parler de problème, you know? C'est pas qu'on pas tant de monde dire, mais ça pour nous t'a fait. Mais ou tellement confortable dans le système, non? Il est tellement douce pour vous, il est tellement bon pour vous, ou comprendre que l'éternel. On fait plusieurs expériences dans la vie moi, d'écrivain, de conférencier, dans toute qualité d'échange que je fais avec différents milieux. Je ne parle pas de ça devant des milieux d'étudiants, de monde de classe moyenne, de milieu populaire. Vous comprenez, mais après, parce que je ne parle pas de problèmes qui sont à cœur, parce que vous êtes victime. Mais la plupart du temps, je vais parler avec des gens du de, les secteurs privés haïtiens. Hein. Sous du Valais, on dédoute les communistes. Et ça, on dédoute. Parce que mon communiste, c'était facile. Ça veut dire où sont pêcheurs d'océan, on va parler comme ça parce qu'on est gris, on va parler comme ça parce qu'on ne peut pas mener. Tandis que parce que eux-mêmes, ils sont les alliés, les protégés, les protecteurs à la fois des intérêts américains et des intérêts du régime politique. Mais ça va être pas avec eux parce que inévitablement, mal est venu. Que le prend 10 ans, que le prend 30 ans, l'a venu. Que le prend 50 ans, l'a venu. Parce que plus on passe soigné mal là, c'est plus tu as valé terrain. Journée jeudi, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, mon cher, ce n'est pas qu'on gagne ton nom. Mais on connaît nos besoins blancs, il faut nous ménager blancs, il ne faut nous pas parler à blancs comme ça, il ne faut nous pas agressif avec elle, alors que blanc lui-même, il ne foutait pas mal quoi, agressif ou pas, parce qu'il défend l'intérêt. Et il défend l'intérêt correctement, je pour le défendre. Et comme nous gâtons, parce que nous n'avons aucun problème pour nous trahir l'intérêt pays, non? Nous n'avons aucun problème, politiciens haïtiens avec affairistes haïtiens de Guinée, pour la plupart, nous n'avons aucun problème pour vendre le pays à tout le monde là depuis affaire. Bon,
yo connaît que même si yo mette quelques politiciens sous sanction, mais réservoir tout yo a toujours plein. Il y a besoin de l'autre pour yo mettre. Ça yo fin use li. Vous comprenez? Donc ce qui veut dire une chose, si nous-mêmes qui identifions nous à pays et que nous voulons vivre là et que nous voulons l'autre pays, nous ne voulons pas prendre humiliation dans l'autre pays, quel Chili, quel Brésil, quel États-Unis, quel Canada, il faut nous connaître un grand bagage. Vous voulez changer Haïti? Prends pouvoir, non? Que les pays se organisent, ils prennent pouvoir avec des gens qui défendent l'intérêt vrai. Et des gens que l'identifier qui fait preuve, yo, des gens qui ont aptitude, j'aimerais dire capacité et compétence, et des gens qui ont comportement qui représentait un modèle et qui ont perception qui par exemple trahit. Et c'est seulement cette catégorie qui viendra dire halte là. Seulement ça. À mon cap ou mener, l'autre, ou l'autre. Donc quel pays du monde, pas qu'est-ce qu'on fait quoi. Oui, mais si vous avez toujours dit, vous avez dit, vous avez dit, si vous voulez faire un caille, c'est quoi donner ou pas? Sauf les cuits ont mangé, qui soit prêt, son boss pas son vraiment. Non. Il faut que nous clésons bagay. Si nous voulons gagner un pays, pas de secret dans ça. Pas de route pas bois. Dans tous les pays du monde, il y a un peuple qui arrive à un minimum de solutions dans le pays, les mettre, les organiser, les défendre avec des gens qui identifient un qui ne peut pas trahir, qui a des modèles pour lui. Et des mondes que l'identifier qui ont des compétences dans différents domaines. Pas que l'autre bagaille. Oui, mais dans ce politique, pas une affaire divine, la donne. Politique, c'est une science liée. Oui, mais c'est pour qui ça? Nous baillons plusieurs secteurs, par exemple, responsables, malheur, nous. Nous parce dit, que c'est responsable. Oui, mais les empiles, nous dit international à la donne. Il n'y a pas empile en termes de quantité. Nous dit politiciens la donne. Nous dit politiciens la donne. Oui, bien sûr. Nous dit secteur privé, cap tout pizi, yo la donne. Finalement, qui viendra dire non? Qui viendra dire halte là? Mais tout le reste du pays, Wendel. Ou gen un peuple dans les campagnes, ou gen un peuple dans les villes. Ou gen classe moyenne, ou gen diaspora. Ou gen même des gens dans le secteur privé qui ne veulent fonctionner comme ça, qui veulent fonctionner l'autre gens. Parce que eux même, ils ont subi monopole là. Eux même, ils ont subi violence là, dans salle là. Il y a même là subi le fait que je crédit dans le pays. Ou qu'on masse monde. Mais il s'agit que masse a organisé pour finir une masse critique et une masse de propositions. Parce que l'île pour nous suspendre, ça aurait être des nationalistes du refus. Nous ne pouvons pas ceci, nous ne pouvons pas cela, nous ne pouvons pas blanc, nous ne pouvons pas pays. Nous sommes très bien. Mais qui sont voulés pour pays où? Il faut proposer. Nous ne sommes pas voulés déjà, mais qui sont voulés. Je connais très bien ce bac qui n'a jamais été fait. Bon, il y a plus de monde qui est capable, comme ça, Ovléa, Ovléa, c'est. Mais. C'est retirer le corps ou bam, mettre pas un bidon. Elle est sortie, on a traditionnel là toujours. On a même équipe pour ça, on a parlé là. On a réservé tout l'étranger là. Mais cependant, ce qui est important, c'est que, Mabdi nous dit très clairement, tout le monde qui dit que Ovlé est un autre pays, un pays normal, un pays capable de vivre, il y a un pays côté petit à petit, petit, qui est capable de vivre, quelle que soit la classe sociale. Nous vivons des moments désastreux. Et nous prenons vivre des moments historiques décisifs. En 2023. En 2023-2024, quand vous venez là. Je ne problème, pas nous affaire de est-ce que Blab vini, est-ce que Blab débarqué ou pas débarqué, pas ça le problème. C'est que ça nous-mêmes, Haïtiens, avons fait. Quel vini, quel pas vini, c'est bon, même pas la vini résoudre. C'est d'intérêt pas la vini défendre. Qui ça ou même, comme Haïtien, ou a fait, que le débarqué, que le pas débarqué? Est-ce que ou a organisé à tous les niveaux de ce territoire, de cette société, pour défendre qui ça et avec qui moyen? Parce que bien souvent, depuis de longues années, m'a obtenu une radio, il faut faire tête ensemble. Ben, ça tourne au cachet péché, il tourne au masque. Dans tous les pays du monde, on peut avancer. Ce n'est pas fait de mettre ensemble, non? Soit fait que, sous de mettre ensemble, il y a deux questions fondamentales pour nous poser. La première question, pour faire quoi? Ça n'a fait ensemble, non? Un, il faut que les oler. Deuxièmement, côté de ne pas chercher moyens pour nous faire là. C'est une question pratique, ça, pour nous répondre. C'est une question pratique, ça, pour nous gourmer, pour nous unir, nous.
Une chose qui toujours frappé mal tout. Date m'attend des élections dans le pays d'Haïti. M'attend des missions politiques, des balles dans la radio ici. Moun ki politicien, mais candidat, bon, si bon, bon. Quelle est la question pratique que j'entends de vous poser? Un, problème de l'eau potable, qui j'en parle de dans le pays. Problème d'eau pour l'agriculture, qui j'en parle de dans le pays. Quelle qualité d'agriculture vous voulez? Ben, c'est ça que font le pays. C'est la question ça que font le pays. Mais, comme disait Socrate, les esprits supérieurs, ils parlent de idées. Les esprits moyens, toujours parlent de vêtements. Et les esprits inférieurs, toujours parlent de monde. C'est toujours des querelles de monde, qui ont des conjonctures, même pas jamais entendre des idées qui pour proposer des solutions à des problèmes sérieux que le peuple a confronté chaque jour. Il n'y a pas de l'eau propre pour le bien. Avant, il y a entendu des petits Grecs, ces petits paysans, qui ont été députés sénateurs, mais ça n'a pas empêché que les paysans boivent de l'eau à Tibonite jusqu'à ce qu'ils prennent choléra à la donne en 2010. Mm-hmm. Après toute année sa indépendance, ça n'a fait. Alors que depuis des années, je dis ces petits paysans, ou des députés, ou sénateurs, ou ministres, ou présidents. Comment ça se fait-il que maman a frère ou trouvé à boire de l'eau la Tibonite jusqu'à ce que les Népalais flottent les choléra? Pour ça, elle a la boire de l'eau. Mm. Donc, il faut expliquer tout ça. Donc, il y a des problèmes fondamental. Mais pour arriver là, qui pour résoudre, pour arriver là, mais ma répitoli en approfondissant. Il faudra que. Pour arriver là, il faudra que, premièrement, à travers pays, les hommes et les femmes de tous âges prennent conscience que pays a pris un tournant historique. C'est ou bien nous avons conscience de problèmes et nous avons conscience que étranger à international là, c'est pas pays. Il va venir résoudre le problème pour vous. L'ICA est de résoudre dans la mesure où l'IOE a conscience de problème et qu'on a des propositions. Et que le désormais, l'on va négocier avec elle. Ce n'est pas intérêt pas à la famille ou à la clan politique ou à défendre. C'est intérêt à Haïti ou à défendre. Mm-hmm. Ensuite, l'on va venir conscience de ça. Il faut organiser, quel que soit côté il y a, dans la section communale, dans la commune, dans le département, à l'échelle nationale, pour créer un instrument. Parce qu'on prend l'entraînement on là, si on prend un bâton, c'est où qu'on prend un bâton qui raide. Pour capable poser problème, pour défendre problème, pour défendre l'intérêt pays. Parce que je me répète, que blanc débarqué là, Wendel, qu'il n'a pas débarqué, l'affaire politique pour être pâle en un pays à point intérêt pâle. Comme monde qui défend Haïti. Kode yo, si tu as gagné ou tu as senti déjà, c'est que, ou bien à l'intérieur de l'État, il y en a très peu, donc isolé, ou bien il n'y en a pas. Donc, ce qui signifie que pour arriver là, il faut organiser à l'échelle communale, départementale, nationale, de manière à ce que pour divorcer avec cette manière de faire de la politique en Haïti depuis 1804, qui crée le malheur et pas le bonheur. Thomas Jefferson était un bas extraordinaire dans la déclaration d'indépendance américaine. Il te dit la politique, c'est la recherche du bonheur. Mm-hmm. Nous-mêmes, l'un fait politique, c'est mal, l'un fait. Parce que c'était pas dans le défendre de qui m'élène que l'autre nous mourit. Bonne tête pas nous. Vous comprenez? Mm-hmm. Bonne nous-mêmes, famille, vous comprenez? Et puis, bon, l'étranger a un problème. Parce que nous, ça a dit que Jefferson n'a pas dit bonheur qui est-ce, non? Bon, non. La recherche du bonheur parce que tu as fait un pays. L'État font pays et le montrer. Là, bonheur pays le faire. Et l'idée reprend la définition Aristote là, qui te dit politique, c'est façon qu'organiser un côté à vivre. Faut tout le monde qui vivre normalement. L'art de gérer la cité. Donc c'est ça pour nous faire, je ne veux dire. Mais nous-mêmes, c'est assurer nos arrières. Non, nous-mêmes, ça nous fait là, son bagage d'inférieur, de ticoulotte, que nous jouons place pour nous bon, pour nous sauver type à nous. Ça, ça a blanc habitué, d'ailleurs. Ça a étranger habitué. Ma bon exemple, je suis un ami qui était responsable au département ministériel, non département. Et puis, il y a un projet que l'organisation internationale voulait faire dans le département. Et puis, je suis refusé le projet. Parce que nous avons encore une fois son bidon. Son corps qui a justifié, qui a dépensé. Et puis, côté monde qui était là avant, nous avons fait comme tout. Je suis refusé le projet parce que nous n'avons pas gagné, ni pour le pays, ni pour le département côté l'IA. Mon cher, vous connaissez que dame qui était responsable, organisé international là, qui était Port-au-Prince, déplacé pour venir reconnaître monsieur, il dit monsieur ça,
Je te comprends que ça me déplace pour me dire qui est haïtien ça qui dit non à la corruption. Parce que je ne suis pas en train de me dire. Parce que ce type de projet ça, que je vais voir dans la province, tout le monde est toujours pressé pour prendre parce que je ne fais pas la donne. C'est la première fois que haïtien dit non à ça parce qu'il ne dit pas là pour ça. Donc là, dit, ah bon, c'est pour ça qu'il dit oui. Parce que je me dis, oui, est-ce que haïtien ça existe vrai? Alors, c'est plus haïtien comme ça que nous avons besoin. Parce que ça, c'est ça qui a fait ça, c'est vraiment politique. Là. Ça veut dire rendre la vie meilleure, installer le bonheur. Le bonheur, c'est qui ça? C'est pas l'école levée chaque matin, on va briller. Mais c'est que l'on le matin, on ne peut pas compter la vie. L'on levée le matin, on va faire une goutte en glace, on ne peut pas rendre ça. C'est ça pour nous faire. Mais c'est une cause bataille, Wendell. Oui. 2022, c'est pas chiffre. Qui fait tête yo et 2023 c'est pas chiffre non plus pas changer question yo, c'est comportement nous c'est ça nous voulait payer y vigner donc si bien comprendre en substance c'est ça Michel Souka. Je vais aller plus loin encore pour Wendell. Allez-y. Et ça c'est pour me répondre des monde qui te font une discussion avec moi parce qu'on a des monde qui croient en numérologie qui croient en mysticisme etc. Bon mais on est d'accord avec son bagage. Et nous avons discuté autour de 2023, quand on a une numérologie autour de 2 et de 4 et 3, 7, chef là, 7 l'avait dit tel chiffre, vous mm-hmm. entendez? Moi, je crois dans une philosophie qui dit, ce sont les hommes qui font l'histoire. Et je dis, ah oui, les hommes font l'histoire, mais les hommes influencés par des forces qui ont pas. Je dis, oui, mais mon problème qui arrive, c'est que même si force a fait influencer, les finis moi-même ne pas font effort. Parce que c'est le monde qui marchait, qui cherchait, qui joue un chemin, sans qu'on abdomen, ils ont soupé. Ah, là, on est d'accord avec. Je dis, moi, il faut mériter, je dis, mais alors. Donc, ce sont les hommes à la longue qui font l'histoire. Parce que, ouais, et là, comme d'adou, bon camionnette qui peut le déraper. Camionnette là, vous connaissez, là, paraît dans quoi Kafoua là. Mais c'est pas campé dans Kafoua, et puis les filles de camionnette là, il faut pas faire qu'un effort pour monter la donne pour aller à la clé. Sinon, camionnette là, elle est quitte. Or, ouais, camionnette ça, ou mettre un sergent vous l'irez là. Occasion ça qui ca peut-être présenté dans les temps à venir. Si nous pas conscients de problème, non. Si nous pas réfléchis sur propre solution que nous capotons. Si nous pas organisés pour défendre un projet national sous base compétence, capacité, bon comportement, bref, un leadership sérieux, et bien occasion ça nous a perdu pour au moins 50 ans encore. Au moins 50 ans encore. Donc, perdu occasion pour au moins 50 ans, ça t'a voulu dire. Ça t'a voulu dire que il y a des conjonctures en histoire, c'est comme ça. Il y a des conjonctures qui sont présentées, et puis le fait que dans le pays où, ou par contre, leadership économique, social et politique, qui saisit l'opportunité, même moi, et puis qui fort bénéficier de lui, parce que toute crise pote opportunité. Mais c'est vous-même qui vous gagne intelligence, courage avec volonté pour comprendre l'opportunité. Pour voir l'opportunité dans la crise, pour mettre la main sur lui. Et pour transformer. Ce n'est pas si tu as plein. Ce n'est pas si tu as fait analyse ou analyse seulement. Parce que Haïti est un pays étudié, surétudié. Comme disait un philosophe, il ne s'agit pas seulement d'interpréter le monde, il faut le transformer. Je ne dis pas, l'air pas arrivé, pour que nous fassions, nous fassions. Pendant toute l'histoire, nous n'avons pas d'interprétation de l'histoire d'Haïti. Interprétation économique, sociale, politique, ésotérique, mystique, toute qualité. Mais jusqu'à présent, nous avons fait un rayon. Il y a des gens qui disent parce que le moment pour venir. Mais le moment pour venir, si vous ne faites pas travail en tant que monde, si vous ne pas mettre base en tant que monde, vous ne pouvez pas passer, vous ne pas fourrer puis vous ne fini, vous ne pas faire là. Oui, mais en parlant d'opportunités mystiques, économiques, historiques et autres, si Michel Souka a proposé. Un choix pour nous faire, c'est qui ça le bien. Le choix d'abord, c'est le travail. Le choix, c'est l'organisation. Ça veut dire que, m'a répété, il faudrait que faut nous ayons conscience que nous cassons ce pays de côté de l'IA. Nous sommes capables. Mais ce que nous voulons. Mais expliquez qui pour vous. Si vous posez une question, si vous posez une question, on besoin de réponse pas, m'a dit oui. Bon, s'ouvrez. Étant donné que vous comprenez le problème, vous comprenez l'origine du problème, ou à comprendre que le travail pas, c'est faire l'autre monde comprendre, côtoyer, que c'est dans la commune ou que c'est dans la ville côtoyer.
Et qu'on y a, c'est très simple pour tout Haïtien définir une base commune. Son pays qui besoin de tout bagaille. Je ne sais pas qu'on parle discuter en Haïti, que nous besoin de courant, que nous besoin de l'eau propre pour nous boire, nous besoin de développer l'agriculture pour nous battre tête, nous manger. Maintenant, si nous d'accord pour ça, sous minimum, il faut organiser nous pour nous défendre à l'échelle nationale. Mais il faut nous connaître que qu'on y a là, c'est moun qui peut le faire. Moun ça que nous pas choisir dans commune, dans département au niveau national. Il faut que Oshita sous la compétence. Faut Oshita ou pas pas choisir à Bolotio, ou pas pas choisir Volé. Faut choisir des moun qu'on connaît, qu'on toi vivre là qui ca représenter des modèles. Chaque moun gen capacité yo, chaque moun gen comportement yo. Gen tout ça pour faire et pas gen moun ka faire pour autre que ou même. Sou qui te kon moun choisi pour, il choisi pour tête, il pas choisi pour. Même j'habite choisi président pour, gen de l'en faire mauvais choix, c'est vrai. Mais la plupart de choix yo, ou pression c'est ou faire, mais ou pas de jambe ou te faire. Yo koken langage. Yo faut danser sous lit parce que yo profite de misère, yo profite de ignorance. Mais ou fait toute expérience ça yo. Souvlez dans l'autre pays, ou pas qu'il te utilise, puis on doit mis sous comme ça encore. Michel, il y a un auditeur qui est à l'étranger. En réaction à une parole qu'on t'a dit pendant la première partie de l'émission, il m'a demandé pour me poser une question ça a poulé. Il dit que le temps me connaît, le professeur a parlé de prend pouvoir. De qui pouvoir la parler? Pouvoir exécutif là, judiciaire, législatif là, pas gain de pouvoir. Ou bien tout. D'abord, font différence. La plupart du temps, il y a des gens dans l'histoire pays. Le temps de y a le négocié international, là, puis il y a le négocié puis au président. Parce qu'à partir des postes président, avec mon nom nommé comme ministre, il y a pas le faire contrat, il y a pas le faire cob. C'est pour yo, à famille, à titre cliqueur, qu'il y a négocié puis riche. Il y a très bien que pouvoir pas dans la main. Parce que il y a pas arrivé que tu es arrivé là. Avec vraiment appui peuple, avec sincérité pour défendre un projet national, un projet patriotique. Même là, je parle de pouvoir, comme ça me dit, je ne parle pas d'être président pour un popette, pour exécuter l'ordre étranger. Je parle de le pouvoir, ça veut dire la capacité de décider, d'appliquer des décisions. Est-ce qu'on va négocier ou on va négocier? Politique, c'est négociation. Mais en ne perdant pas de vue intérêt pays ou intérêt peuple. C'est clair. Bien souvent, dans des mots, on a parlé par exemple, pour aller plus loin. Haïti, il y a un paquet de richesses. Il y a l'or, il y a pétrole, il y a ceci, il y a cela. Bon, c'est très possible. Maintenant, est-ce que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous avons les ressources humaines et technologiques pour aller prendre la richesse? D'abord, pour aller estimer ou pour faire prospection. Parce que la plupart du temps, moun qui dépense pour le connait sous gain bagage ça ouvre en quelle quantité qu'on gagne avec est-ce que l'exploitable vraie information c'est pour l'île Kembel parce que l'île dépense mais on va dépenser l'île bon il faut qu'on ait ça vle ben vraie information c'est l'île Kembel. Maintenant mettons que tu as des moun soutenu pas peuple ça qui t'est arrivé vraiment dans tête pays ça là les gars obligation pour discuter avec moun qui gagne information c'est pour qu'on ait bon. Ça n'a pas fait avec ça. Il est clair. Oui, mais on va le dire tout que vous vendez pays à le faire. Non. Vous ne pas vendre pays à. Il faut faire dans toute transparence. Soit si tu as un coin à 4 du matin pour négocier à blanc, c'est vendre ou le vendre. Oui. Mais si vous faites ouvertement, parce que ma sœur, c'est ça dans la vie déjà. Oui, en 1973-74, une seule fois au ministre haïtien, tu es contraint en compagnie multinationale, la Reynolds, qui t'a exploité Bouxit. Vinchit à son table de négociation, il n'y a pas de fait à 4 minutes, non. C'était Serge Foucault. Eh bien, ça que tu as fait. Au Palais National, sous les regards de la presse, de tout le monde, négociation était ouverte, était claire. Et là, nous, en 73, vous dites 73-74. Fais-le comme ça. Tu as des compétences étrangères qu'il fait venir parce qu'Haïti n'a pas de gain. Sur le plan international, Nations Unies seulement plein compétences comme ça qu'à la disposition des gouvernements qui veulent défendre les intérêts de leur pays parce qu'à l'échelle internationale, il y a des contradictions tout. Tout le monde ne peut pas penser même gens. Donc, ou même là, ça, il faut faire appel à toute compétence ça. La République Dominicaine fait l'exploiter l'eau là.
qui pour dire, parce que pas des personnes qui comptent tout le bagaille, qui pour dire, mais ça qui est possible qu'on gagne, mais qui est pour défendre, mais qui est pour négocier la compagnie qui gagne les moyens techniques pour venir. Donc ça, ça veut dire que nous sommes capables d'organiser ça. Mais l'autre pays fait, pourquoi ça n'est pas capable là? Haïtiens pas nul, mes amis. Non, mais n'a pas dit que. C'est parce que nous avons toujours fait, ou bien nous qui t'a imposé, nous des nuls, ou des médiocres, ou bien des voleurs, même quand même intelligents, ou bien des assassins de leur propre pays. Mais il faut que. Oui, mais nous capables faire il faut ça. Commencer quelque part. À pas de côté pour commencer. Il faut que nous bâtissions un projet. Il faut que 2023 soit la première année du commencement d'une nouvelle Haïti. C'est ça pour nous balayer. Et seul jeu pour nous balayer, c'est travail ça qui peut faire travailler tout pays. Que pays après traverser un moment historique, par qui cague une opportunité, faut nous saisir. Mais pour nous saisir, on ne doit pas qu'à saisir, son poignet pour saisir. Et poignet, comme disait Jacques Coumé, c'est le symbole de la main fermée, des doigts unis qui expriment la force. Donc pour ça, il faut organiser à travers le pays, il faut qu'il y ait conscience d'intérêt ou saisir. Et qu'on y a là, ou forcer l'international à négocier. Elle a pas obligé de négocier. Naturellement, comme nous-mêmes nous gâtons l'international, là, nous tellement gué des mondes qui sont des tchouls volontaires et que réservoir tchouls la font en pile, bon, ici, il faut que réservoir ça, nous chavirons, que ce n'est pas eux encore qui ont accès à sous ça. Parce que sans quoi, pays à babayen, ou pour le passé, même j'en sais de pays où en Afrique, qui chargent les ressources, et puis la fin, on a des dirigeants qui étaient des compagnies minières, pillées, et puis peuple vient pauvre. Donc, il faut chercher les compétences locales comme internationales, et c'est pour ça que moi-même, j'ai l'autre conception de l'haïtien. Être haïtien pour moi-même, ce n'est pas un monde qui simplement qui gagne un passeport haïtien, on va donner naissance haïtien. Non. Ça m'intéresse. Pour moi, être haïtien, c'est un monde qui aime Haïti, qui veut bien Haïti, qui veut bien peuple haïtien. Point final. De quelque soit la nationalité. Quelque soit. Parce que nous étions tout à l'heure parlé, on dit que les Nations Unies ont tout expert ça. Est-ce que nous obligés de recourir vers les Nations Unies? Ou capable de joindre les Nations Unies, ou capable de joindre un paquet d'organismes. Et pour que ça ne pas, par exemple, utiliser les ressources que nous gagnons disponible à l'étranger, qui c'est vraiment petit. Quel que soit, mais c'est ça qui fait tout ça à tout, parce que la plupart de ces gens, pour vivre, ils sont obligés de prendre des nationalités étrangères, même pas de problème avec ça. Nous connaissons dans quelles conditions, un monde qui était parti, femme qui était parti, ou il fait l'autre bois, obligé de prendre une nationalité étrangère, pour qu'il y ait des gens qui font, des gens qui ne font pas. Je ne vais pas discuter de ça, pour moi, ce n'est pas ça le problème. Il y a besoin des compétences. Il y a besoin de gens qui ont intelligence, et même qui ont courage. Jean Baladi a qui a gardé l'étranger à l'anger pour dire des autres la fini. Que ce pays n'est plus dirigé par des corrompus et par des incapables. Moi, ouais, j'en ai parlé là, Michel Souka. C'est comme si. Parce que nous sommes loin pour nous vivre côté nous là, de 54. Nous sommes loin. Oui. Mais genre, on a parlé là, c'est comme si m'a dit qu'on a envie de faire mon quoi, que j'ai espoir, j'ai possibilité. Ben ça va. Alors que soit aller là, aéroport, là, jeudi 3 janvier, là, on vient d'un le monde qui déjà fait mal à tout, qui va aller parce que. Pourquoi nous allons aller là? Pourquoi nous allons aller là? Pourquoi nous allons aller là? Je vais vous un exemple simple. Quoi dans la vie, c'est pour un paquet de monde qu'on a besoin pour faire un bon bagage. C'est sur la qualité pour jouer. Lorsque messieurs ont fait l'indépendance, 1803-1804. Vous pensez que c'était tout le monde qui t'a vivre dans ce domaine, qui était dans la bataille, qui était dans l'armée des Salines? Non, mon cher. Quelques dizaines de milliers. Vous faites ça, vous faire? Oui, mais comme résultat, vous trouvez des Salines tout de suite après? Non, ça, c'est l'autre affaire. Non, l'autre après. Mais ça, sont l'autre conflit. Oui, mais ça, de fait. Non, ça, sont l'autre conflit. Il ne faut pas mélanger les temps. Attention. En 1803-1804, il y a tant qui dégageait en différents secteurs représentatif de sociétés de domaine, c'est vrai. Et puis, la qualité des hommes qui unit, ils font l'événement, ils font l'histoire. Gardons l'autre exemple avant. À combien de Fidel Castro sorti au Mexique, il débarque à Cuba, il fait ça le faire. 17 hommes. Le débat qui était en 1923, l'arrivée sur la plage là, la police a une formation limitée à tout.
Dans 23 et 17 qui sont vivants, ils ont caché nos chancans, ils ont monté dans le magistrat. Ils ont pris le temps, ils ont organisé. Et puis, ils ont fait ça ou faire là. Jusqu'à présent, Amérique n'a pas foutu des choses. Ou pas jouer sur la quantité, ou jouer d'abord sur la qualité. Quand la qualité a vint drainer le reste là, elle vient créer basse critique là, elle vient créer encadrement. En 1979, Sandinistes ont renversé sur Mozart. Oui, ils ont eu une aide, même si Mozart a mis qu'il y a un ils vont leur la gueule parce qu'ils n'ont pas de caquet encore. Mais à l'époque, le Nicaragua, 11 millions de monde, plus grand qu'Haïti, vous combien de Sandinistes ont été? Il y a 400 monde, oui. Mais chaque nègre de vos 10 hommes, ils étaient contre ça à faire. Tu étais juste sur la qualité. C'est ça que je veux dire aujourd'hui. Alors, je ne sais pas combien d'hommes ont besoin, mais vous pensez qu'un poignet de monde est capable de résoudre le problème que nous avons confronté? Moi, je pense que des hommes et des femmes à travers le territoire national et dans la diaspora, je parle de monde qui remet Haïti. C'est pour moi-même, c'est ça qui est la définition haïtienne. Un monde qui remet Haïti, qui remet le peuple haïtien. Quel noir, quel jaune, quel vert, quel norvégien, quel africain, quel américain, quel whatever. Parce que moi-même, je rencontre dans la vie des gens qui n'ont ni passeport, ni acte de naissance haïtien. Ça, ça a fait pour Haïti. Bon, bon, monde, voilà, cap dit, c'est petit, c'est ici, petit, c'est là. Moun ça, c'est ni paix Haïti. Alors que c'est moun ça, moi, qui défends le pays. Et bien, c'est toute ressource ça, qu'on a besoin, qui ca et qui pral sortir Haïti de côté de là. Parce que l'histoire après vivre un moment là, je pense qu'elle est favorable. La favorable pourquoi? Parce que le modèle d'exploitation capitaliste ça qu'on a là, et qui a bien Haïti dans le modèle côté de l'IA, la crise déjà. Il n'est pas dans une crise pire. Il n'est pas obligé de redéfinir les relations qu'il a avec ça, entre guillemets, les petits pays. C'est opportunité ça pour nous pas perdre. Et puis nous pas perdu, nous jouons intelligemment, nous jouons avec détermination, nous jouons avec patriotisme. Eh bien, je crois que dans 10 à 20 ans, Haïti est un petit Qatar. Mais je ne peux pas dire que je m'ai divagué, Michel Soka. Je ne peux pas divaguer tout, non? Non, moi-même, je m'espérais ou pas dire que je m'ai divagué. C'est normal pour questionner. À travers la question que je vais poser là. Dans le contexte, ça n'a pas parlé là, dans le contexte 1er janvier, côté qu'il y a des annonces. Politique qui fait 3 janvier, pardon, merci. Nous, dans le contexte, côté que des annonces qui fait, un nouvel accord qui s'y est, je parle de documents politiques. Et Premier ministre Ariel Henry, par exemple, il a annoncé pour gagner l'élection, il promet rétablissement sécurité et autres. Quelle est la place de ces annonces dans le conseil? C'est ça que je dis là? Bon, je vais répondre d'abord que ce dit là, c'est plein international là. Ariel Henry n'a mis au conseil sur pied, dans la constitution. C'est plan blanc là pour exécuter. Ce n'est pas plan Haïti. D'ailleurs, pour dire Ariel Henry, à mon sens, c'est le contraire d'Haïti qu'on dit. Moi, je parle d'Haïti. Mon sens, c'est des gens, indépendamment des pays, j'aime d'Abdoula, c'est peut-être pas eux à sauver en se mettant aux ordres du blanc. L'homme dit du blanc aux ordres de l'international. Est-ce qu'on croit que Guénébaré qui a fait toujours dire là sans yo? Naturellement. Contre eux-mêmes. Ah oui. Et je pensais que si Haïti n'est pas conseil de San Abdia, il y a organisé au niveau national, machine l'amorce, car il y a mis sous pied au service international, il a bloqué. Parce que, par aucune grande puissance, je ne dis pas, de crise capitaliste, il y a qui a intérêt pour l'appliquer au bagage. Nos pays, côté l'obligé fait, nous écartons. Surtout si loin que nous porte de négociation qui est possible. Avec des gens qui réalisent, qui pragmatiques, qui comprennent. C'est quatre ça à bon jouer. Ce n'est pas la carte du radicalisme, c'est la carte du pragmatisme. C'est la carte du réalisme. C'est pourquoi je dis toujours, le moment n'est pas désaligner, le moment est l'ouverture. Et pour qui ça? Ça veut dire le moment... Par le moment de compromis, de négociation. Mais pour force internationale, la chita sous table de négociation, hein, pour faire compromis historique, ça, qui pourrait tirer Haïti dans le trou lié, il faut qu'on batte en force à l'échelle nationale et internationale des mondes qui vraiment veulent bien peuple haïtien.
moun ki an Haiti, moun ki nan diaspora, moun nou wè ki pa gen passeport ici a pa fanyen. Depuis le fait qu'on met pour Haïti, c'est ça qui intéresse. Mm-hmm. Point final. Point final, question de sécurité. Comment... Question de sécurité à notre plan international. Là, tout. Son façon pour courir, battre bravo pour vous, les avenir, ou tellement content, on dit mais qu'est-ce pour vous, les finir pas tout le cas. Là. C'est là qu'on va faire. Là. Oui, mais entre temps, Michel. Tout ça, entre temps, il y a un marché. Même Jarrel, il y a un marché sous Bopal. Ce sont les deux ailes de même oiseau, comme dirait l'autre. Mm-hmm. Donc, ce qu'il faut, c'est de comprendre une chose. C'est que plein final, ça allait global, tout marche ensemble. Au conseil, transition, et insécurité, c'est même mettre là, capturer toute ficelle, ça. Pour les venons point. Oui, mais entre-temps. Les Alvin, ils vont. Attendez, je ne sais pas, on va le plaindre, on va dire, entre-temps, c'est ici. On va pas le plaindre. Le problème qui gagne, c'est pour nous pas quitter que épuiser. Ne garder ça seulement. Il faut nous préparer dès maintenant l'avenir immédiat. Donc, épuiser-nous psychologiquement. Préparer, et pour pas quitter épuiser-nous psychologiquement. Non, non, faut pas quitter épuiser psychologiquement. Mm-hmm. Parce que la bataille a fait commencer. Et la bataille a longue. Et au compte ça, c'est dans ça qu'il y a plus ou. Il y a plus ou dans l'insécurité. Il y a plus ou là, il y a qui a fait ma carte devant. Vous comprenez tout cause de ça. Ou même c'est pour clair son intérêt. Et qui sort décide de faire pour défendre l'intérêt. À tout le monde, me répète-t-elle, qui voulait bien Haïti, quel que soit passeport, quel que soit couleur de peau, ce n'est pas ça qui intéresse. Maintenant, à partir de ça, ou qu'a bâti une force, que l'international a débarqué, qu'elle va débarquer là, quel est le gang qui est le c'est problème pâle, ou même ou bâti force ou déjà, pour contraindre Nishita et pour négocier normalement. Il faut ça, c'est pas pour tête ou, à famille ou, à petit secteur pour négocier. On va négocier pour pays ou pour peuple. Et pour tout l'autre peuple qui a aidé. Parce que nous étions, à un certain moment, la lumière de la Caraïbe. Haïti était une cause. Cause ça, il faut nous retourner. C'est parce qu'on trahit cause là. Cette cause de liberté, cette cause de libération. Cette cause de progrès des peuples opprimés qui fait que nous mettons tête dans la situation. Ça. Nous avons retourné ça. Et nous avons retourné. Mais, je répète, il faut prendre vie ou mettre sous table. Hein? Ah ouais. Il faut parier pour mourir. Bon, écoutez, il faut prendre vous mettre sous table. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait, c'est pas fait de parier pour mourir seulement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait, c'est pour un job à mi-temps. Il faut parier pour lui, il faut travailler pour lui. Faut suer pour lui, comme disait l'autre, étoile du ciel, etc. Même si mon Dieu qui ton cadeau pour mais souvent mérité, il n'est pas bon. Mm-hmm. Et pas parce que bel petit garçon, belle petite fille, qu'elle a bougé bon cadeau quand même. Non, faut mériter. Il mm-hmm. faut travailler pour ça. Est-ce qu'on décide de travailler pour ça? C'est belle parole. Ou pas, non, ou pas décourager. Son go causé que nous dit matin là. Bon j'en sais rom. Bon j'en sais rom au bail auditeur, Michel Soukar. Bon. Je t'ai souhaité que le plus qu'on s'est rom, bon, c'est vous-même qui dit. Je t'ai souhaité que le plus qu'on s'est rom, je t'ai souhaité que li yon détermination. Parce que je t'ai dit que le pasteur ça a dans les réseaux sociaux qui dit que bon Dieu, pour aller restituer Haïti, tout ça a été volé, que Haïti a tourné ceci, a tourné cela. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas de téléphone, mon Dieu, mais son grand père m'a dit haïtien. Même si tu es mériton, bagay. Ou pas goût, mais pour lui, ou pas jeune. Il peut aller. Le train, oui. Le train a passé. Il est presque venu là. C'est pour souquer d'ailleurs, pour marcher, pour entrer dans le train. Pour diriger le train tout. Sinon, le pral quitte. Et où est le train ça? Je répète. Il n'est pas pour passer pas avant au moins 50 ans. Et pendant ce temps, nous allons disparaître comme pays, comme peuple. Parce que pas répéter bêtises ça qui dit que le peuple n'a pas disparaître. Là, il va, oui. Toujours prendre exemple ça avec eux, Spartacus que n'a pas parlé de l'IA. Spartacus c'était tout nos pays, un peuple qui était relé la Thracie et le peuple Thrace côté lui. Ou qu'on peut écrire la Thracie ou Wendel. Côté lui, ça pas existé encore. Il disparaît. L'histoire est un cimetière de peuple. Donc faut nous connaître que nous allons disparaître tout. Michel, merci. Merci on finit pile. Déjà. Oui. Nous finissons. Qui te remercier. Tout le monde, m'a récité. On va faire de jaloux. Tout le monde qui, d'une façon ou d'une autre, participe avec nous dans l'émission matin. Hein. Ça qui dit pour me souhaiter bonne année pour vous. Ça qui dit que c'est pas bonne année pour nous souhaiter tête. Non.
C'est pour nous souhaiter tête nous bon combat. C'est ça pour nous souhaiter tête nous. Parce que l'année 2023, la paix, ça nous voulait que lié. Si nous avons que vous faites pour nous, nous avons aller plus mal que tout l'autre. Parce que on pat, si vous voulez continuer à descendre par là, on peut toujours descendre plus bas. Même si on le ciel n'a pas de limite là, mais il n'en fait pas de limite tout le monde. Mm-hmm. Il y a toujours de la place. Ah, ouais, ça. Donc, c'est nous-mêmes qui pouvons ramasser le caractère, organiser nous pour défendre les terrains et pour imposer l'international là, ça nous voulait. Merci encore une fois, Michel Souka. Bon combat. Merci beaucoup, Wendel, pareillement. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous pourrons faire des bases, c'est toujours même Yannick, même voix.